J'étais obligé de vous tourner la cinquième partie des vidéos sur DJ Arafat. DJ, pourquoi j'entends ton nom aux informations dans ma cellule? Là, le gang gang, on m'envoyait directement une lettre que MHD l'a rédigée directement dans sa cellule. Toujours en gros cours. Oups, fiche de cul. Elle m'a vu sur YouTube, elle pense que je fais des thunes. C'est un avion, je la détourne, je la fais crier comme l'autotune. Moi je suis même qu'à deux piges, j'ai juste un peu plus la cote. On parle pas beaucoup, je suis pas de ceux qui se la racontent. Elle est bonne mais je la tais, j'aime ralentir dans ma quête. Je rentrais pas chez moi sans faire partir ma plaquette. J'esquive les tacles de l'OPJ, je grille. C'est gang gang, c'est Fico, j'espère que vous êtes bien en crème, ça va nickel. Comme d'habitude, toujours sourire, bye mon iglo. Gang gang, je t'explique, il est 11h du matin, je viens de me lever, j'ai la tête dans le boule. Et bon mon iglo, là j'étais obligé de vous tourner la cinquième partie des vidéos sur DJ Arafat. Parce que comme vous le savez, hier je vous ai réuni justement tous les messages Instagram, Twitter et Snapchat des rappeurs français, gros, qu'ils avaient laissé un hommage à DJ Arafat directement sur leur réseau. Là, le gang gang, on m'envoyait directement une lettre que MHD l'a rédigée directement dans sa cellule. On me l'a envoyé sur Instagram et en gros, cette lettre, elle est dédiée directement à DJ Arafat. Et comme je sais qu'il y en a qui ont pas Instagram, qui ont pas Snapchat, qui ont pas Twitter, qui peuvent pas voir tout ça, je me suis dit, tonton Fico, t'es obligé de leur parler de ça. Je vous explique, il est 11h du matin, je viens de tomber sur ça, c'est pour ça que je tourne cette vidéo le plus vite possible. Comme ça, vous suivez l'actu comme moi je la suis. Il y a pas 24h de décalage comme chez certains youtubeurs. Bref, je laisse avec le passage pour comprendre et on voit ça juste après. Allez, je te parle d'un truc. Du truc. Mon iglo, voici la lettre que MHD l'a directement envoyée à DJ Arafat, à la famille DJ Arafat, excusez-moi. Et en gros, il a dit directement: grand frère, janvier 2019, je suis arrivé à Balti, on a fait la fête ensemble avec Baby Philippe. Tu me faisais écouter tes prochains hits et un morceau qu'on devait bosser ensemble à l'avenir. Grand frère, premier concert à Balti, tu es venu me voir à mon hôtel alors qu'on ne se connaissait pas. Mais moi je te connaissais par ton talent, toi qui m'as fait danser sur chacun de tes morceaux. Ce jour-là, tu m'as dit, petit, tu es trop loin pour eux. Grand frère, tu m'as inspiré dans l'afro, je t'écoutais et connaissais tes morceaux par cœur. J'ai dansé à tes côtés, tu es venu sur scène avec moi sachant que, auparavant, je ne te voyais que sur ma télé. DJ, pourquoi j'entends ton nom aux informations dans ma cellule? Tu m'as fait quoi là? Donc c'est comme ça que tu nous laisses ce travail qui n'est pas fini? Me fais pas ça s'il te plaît. Si un jour je descends à Balti, qui va venir me chercher? À cause de toi, je suis allé à Abidjan autant de fois que je suis allé dans mon pays d'origine. DJ, tu m'as eu. Repose-toi paisiblement maintenant, mon frère. On transmettra ton art à la jeunesse du monde entier. Ils sauront un jour qu'il y a une légende qui a existé au nom de DJ Arafat. MH, à Paris le 13-8-2019. Ah là là mon iglo, hey, c'est vraiment touchant ce qu'il a écrit MHD dans sa lettre. Je vous mens pas, quand je suis tombé dessus, ça m'a touché de fou. Pour l'instant, en plus de ça, on sait pas si MHD il est coupable ou pas, donc ça doit pas être facile pour lui en prison. Imaginez si MHD il est reconnu innocent, il serait resté un an en prison pour rien. Pour ça que j'attends vraiment des nouvelles de la part de la police sur l'affaire de MHD. En attendant mon iglo, pour cette vidéo, je vais pas vous demander de like, je vais simplement vous demander de laisser un petit commentaire en hommage à DJ Arafat. Bien sûr, tous les commentaires d'insultes, etc., ils seront supprimés directement. Sinon, moi je tenais juste à vous préciser d'activer la petite cloche pour ne surtout rien louper parce que j'ai pas d'heure fixe pour mes vidéos. Vous avez pu le voir, hier j'en ai envoyé 4, avant-hier j'en ai envoyé 3 et avant-hier j'en ai envoyé que 2. Pour ça le gang gang, en ce moment on essaye de varier, donc n'hésite pas à activer la petite cloche pour ne rien louper. Et au passage, si jamais t'as Instagram, n'hésite pas à venir t'abonner aussi, c'est là où je me trouve le plus souvent, hors YouTube, hors Instagram. Si jamais ça t'intéresse, je fais gagner une carte cadeau par semaine, donc t'as juste à venir t'abonner et regarder ma story de temps en temps. Tout à gagner et rien à perdre. Et bref, si jamais t'as Snapchat, n'hésite pas à venir t'abonner aussi, c'est là où je me trouve le plus souvent, hors YouTube, hors Instagram. T'inquiète le gang gang, comme d'habitude avec mon River, je te dis à soir pour une 20 minutes prochaine. Une belle vidéo, une belle exclue. Allez, je te parle d'un truc. Du truc. Paris, nigga, tu nous connais. J'arrive à balle, on a trop d'avance. Aujourd'hui, tu nous reconnais. Avant, tu ne donnais pas la force. Sois content si tu n'as pas canné. C'est qu'on est gentil, même dans les affaires. Je connais déjà le film. C'est moi qui vais gagner à la fin. Je veux la vie d'Aloca. Devant les keufs, on parle pas beaucoup. Là, je suis sur le terrain. Je vais te tirer dessus dès que j'ai l'occasion. Hey, hey. Poto, je suis talentueux depuis Mino. Hey, hey. Tes rappeurs qui mentent, je vais les éliminer. On sait tous que le buzz rend mignon. Y'a 2-3 ans, ces bâtards se moquaient. Si j'ai le buzz, faudrait je la baisse. Mais aujourd'hui, je suis incognito. Euro, monnaie, bénéfice. J'suis dans le Merco Anubis. Sombre pétasse dans ma puce. Ils vendent de cannabis. Sors du tchèche, casse la démarche. À deux sur le D-Max, on démarre. Toujours prêt pour niquer tes mères. Mais comme j'ai déjà baisé, j'en ai marre. Bonbon emballé dans le cello. J'paye l'hôtel, j'emmène pas au ciné. Ne cherche pas les meilleurs, oui, c'est nous. J'dépense ton salaire au casino. Tu fais le fou, toi t'as sauté une étape. T'as pas connu la hagra des grands. Il faut des sous, la plaquette, là je l'éclate. Et au quartier, je vois pas de gérant. Y'a peu de place, et poto, quand tu grossis, beaucoup penseront que tu deviens gênant. Alba, c'est là qu'y a les decks. Et toi, si tu veux un chrome, tu sais que c'est non. Allez, je te parle d'un truc. Du truc.
marche rien dans ma ville. Pas tout fait dans ma vie. Respecté dans ma vie, je marche pas calibré. J'en reste seul et ça je le sais depuis. J'ai cherché le trésor toujours au fond du puits. J'ai pas fait le bon choix. Mais j'ai trop doulé, charbonné, j'ai pas le choix. Le sort dans ma broche, je gratte des textes. Et Bozo me dit y'a que le travail qui pèse. Ne crois pas que ça va venir en grattant les fesses. Donc je pose au studio objectif dans ma tête. Parle-moi liquide sinon parle.